Je vous souhaite à tous la bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes le 13 novembre à 10h26. Bon, maintenant, je vais vous présenter mes meilleurs moments dans Super Smash Bros. Pour Nintendo 3DS dans la semaine qui a précédé. Et c'est avec des parties en équipe. Là, on va commencer par vous montrer celui-là, puis après ça, on va être que des morts subites. Bon, ça, c'est la partie entre les deux morts subites qu'il y a eu en jouant avec ces trois joueurs-là. Bon, ok, je vous montre ça en premier parce que, genre, quand il y a des moments lorsque t'es vraiment mal pris, là, ok, puis quand il y a deux joueurs qui te frappent en même temps, et que t'as genre ton équipier, lui, il fait rien, il fait juste se protéger, il se défend. Mais il m'aide pas vraiment à me sortir du pétrin. Fait que là, ce que ça occasionne, c'est que genre je subis au-dessus de 130 dégâts assez rapidement. Et que là, je vais finir par me faire mettre KO assez vite là. Si l'autre réagit pas là. C'est bien beau que je résiste, mais quand j'ai pas de support, ben on s'enligne vers une défaite. Et c'est ce qui est arrivé. Malgré que là, j'ai fait le rattrapage nécessaire pour qu'au moins qu'on se rende à mort subite, mais pas possible. Encore une fois, durant les 5 dernières secondes, ok, là. Ok, il décide d'utiliser son bouclier en plein sang. Sauf que le joueur de Cloud utilise charge un smash. Puis en maintenant trop son bouclier, ben ça finit par briser. Ben pas par briser, mais ça finit. Il a fini par il l'a maintenu trop longtemps. Et ça a occasionné une chute pour lui. Fini. La partie termine là. C'est pour ça que l'esprit d'équipe est très important dans les matchs en équipe. C'est essentiel pour le succès de chacun. Parce que si on s'entraide pas, ben on va finir par perdre, c'est sûr. Que Satan pour venir m'aider là. Les deux sont en train de me frapper en même temps là. Aide-moi un peu là au lieu de faire des attaques aériennes dans le champ là. Ils avanceront pas plus. Ils vont mettre KO en premier pour prendre l'avantage. Comme il va là. Surtout que Kevin il joue beaucoup de manière défensive. Moi ça m'écœurait au bout là. C'est fatigant. Mais quand même, je réussis quand même à me sortir des sentiers battus pareil. Je me débrouillais quand même assez bien dans l'équipe. Le problème, c'était mon équipier. Qui n'était pas fait pour travailler avec moi. Ses coups étaient toujours hors cible. Regardez, au moment qu'il saisit l'autre, il recule au lieu de continuer à donner de l'avant. Ou bien d'attendre. De bien placer un smash ou un coup. Regarde, comme là, j'ai pris l'opportunité qui s'offrait à moi. J'ai directement été donner un coup de tête à Kevin et Mikao. J'en ai profité de cette chance-là. Là, on est à égalité. Pas égalité, mais on est en avance de 1. J'ai refait le rattrapage. J'ai fait le nécessaire. Bien, ça. Sauf que, pas si, tu fais juste un combo, puis après ça, tu recules. Tu continues pas à donner de pression supplémentaire à tes adversaires, regarde que ça a occasionné. Ben, ça occasionne encore une chute pour moi, là, vu que t'étais pas là. Moi, je t'ai dit du mieux que je pouvais. Là, t'aurais pas dû faire ça. T'aurais dû t'enlever de là. Là, tu viens de me faire perdre une partie. Qu'on aurait peut-être pu gagner en mort subite. À la place, t'en vas te protéger à la fin. Oublie ça, là. Si l'autre pense à faire un chemin, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Il reste pas en plein centre durant les 5 dernières secondes protégé. Ça sert à rien. Prends un risque. Là, j'ai réussi à briser le bouclier de Kevin, mais j'aurais pas eu le temps de faire un chemin. De toute façon, il était hors cible en partant. J'aurais pas eu le temps de 2 secondes pour l'éjecter.
C'est pour ça que dans ce genre de situation, ok, l'esprit d'équipe est essentiel, ok, l'entraide doit être l'aspect numéro un quand que vous jouez en équipe. Parce que, genre, si vous vous éloignez tout le temps, à chaque fois que vous faites un combo, vous avancerez pas assez vite pour accumuler des KO rapidement. Peu importe le personnage que vous utilisez, même si c'est Dokkant. Dokkant, c'est vrai que c'est compliqué de jouer avec lui, mais si t'es capable de bien placer des coups, ben t'auras pas ce genre de problème-là. C'est bien beau d'essayer de se protéger, mais à un moment donné, là, ta défensive va lâcher. Et c'est ce qui est arrivé là à la fin. T'aurais pas dû de rester en plein centre, t'aurais dû prendre une chance, comme que moi que je fais tout le temps. Mais je fais quand même attention, j'ai pris un risque là en essayant de briser le bouclier de Kevin. Ça a marché. Mais j'aurais pas eu le temps de smasher. Mais si j'aurais eu quelques secondes de plus, là peut-être qu'on aurait pu gagner. Ou bien peut-être se rendre à mort subite. Mais on n'a pas pu se rendre à mort subite en cause que possible. Ne m'a tout simplement pas aidé. Il m'a pas aidé assez. Il s'est pas beaucoup impliqué en attaque. Fait que ça l'a joué. Comment je peux vous dire ça? Ça a été l'élément déclencheur qui a fait en sorte qu'on a perdu. C'est pas nécessairement de ma faute, c'est l'autre qui m'aidait pas. Mais moi je l'aidais du mieux que je pouvais quand que je pouvais. Ben lui, ce qu'il faisait c'était se protéger. Il faisait juste un combo puis il reculait. Non, tu continues à mettre de la pression sur ton adversaire. Ne recule pas. Ne recule devant rien. C'est là que ça va être dangereux. Surtout que si moi je suis pogné entre des deux joueurs, l'un des deux va me shooter puis KO. T'sais, comme vous avez vu, ça a pris environ 15 secondes avant que je sois mis KO en partant là. Ça n'a pas pris grand temps avant que j'augmente jusqu'à 100% de dégâts. Tandis que l'autre, il lançait du frisbee, des attaques hors cible. Ben voyons, qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que tu entendais pour agir, pour venir m'aider? C'est une personne en équipe. Bon, ben on se reviendra pour la suite.